Danelu, Wadinai, Damatunai, Majotema, Jumtabu, Bijimok Nabin Chibi, Nibigala, Nibokovula, Pulu, Ongwachitema, Macharon Bassem, Pulu, Ongwachitema, Nibatamba Popula, Menaman, Bukalitaina, Chibu Chibu, Chapeling, but for the Kumalata, Morgon Bassem, Pitukan Blamataji, Bokatana, Mutumu, watching to Palacha, Nibijimok Nabiji, Chisatu, Bukam Saka Biji, Nibigala, Nibokovula, watching to Kastaina, Dunu, Nikala. Kwa kwa province wa Maindombe pakati ba kitamba cha bayaka ni bateke kwa kwa la ba vetanga na nasha ni kala ba kwa 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 ditangila bukubi mwende mwa jitunga jakongo wa mungalata mwende mwende yonso nanga nanga kuse kalu wa este wa jitunga jakongo wa mungalata ngele mejibwase mwanda uji mwaka lutangila jiba kulaja bonagana kuji banto kujiba M21 ni bika la mwa kwa kwa mchalu ni mwende mishishilangane ni mwaka litangila tuilukulu mulenga ni jitanta jitunga jakongo wa mungalata ni bika la mwa kutangila imo mike machinka amikenji ni mwaka litangila luandulu wa kane lwa jitunga na kwa u mpulo mkwini kala mwa kunzulu kajituku janelu wa jinai ya mafukujuku mni atanu mnumu zubachi mwendo wa bukalenga nanga nanga mwabakulu mpapa mpesa ni mabala bilu bionso bijibika la kubulombo jibwa modesta bati lukobo bimana kusomba mbinji la buwase fumu mjiku zubachi mwendo wa bukalenga chakulu amunu mwa kufika mwa kumunu mwa kutuwa jija mijumu ya juzula mpulo mkwe mwende nenei wikalu mwa kwa kwela chubu chulu chajitunga ja Kongo wa mgalata feza rose kalongola ujikulu seka luanyi mwa kunzuija abako usubajibika la batelijibia kalamu wakulu wa swahidi nchika ni memine karachikulatakana munu mwuzi kwa chumundu wa bukalinga chakulu chabaku mpapa mpesa ni mabala rose feza kalongola tuasa gili la Rachel Keta Kabongo nikusema kwamba tumepatikana hapa kupale dipeple mahali ambapo sherehe ya kufunguliwa rasmi kwa kipindi cha kawaida cha Septemba mwaka wa 2022 ya budgeti ya mifanyizwa. Hii tutaweza kwa jusha kusema kwamba presidenti wa baraza la wazee Bahati Modeste Bukwebu amekwisha kufika hapo, ndio kisha kupewa heshima ama ya na askari polisi, ndio presidenti huyu ataweza kupanda kwa kuweza kufungula rasmi kipindi hichi cha kawaida cha Septemba mwaka 2022. Tutaanza kujulisha kusema kwamba waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde amekwisha kufika hapo katika nyumba ya mikutano hiyo ya Palais du Peuple, ndio presidenti wa baraza la bunge Mbosso, pia presidenti wa baraza la wazee ameingia ndani ya nyumba ya mikutano kabla ya kuweza kufanya kufungua sherehe irasi ya kipindi hicho cha Septemba mwaka 2022. Wataweza kusemea kuhusu bajeti, kisha watasemea kuhusu hali ya ufitina ya baina ya teke na yaka ni kupitikana huko kwa mtu kutokana na ufitina huo, na watasemea pia kuhusu tu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Bunagana ambako wa Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour des cassations et du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités, dans le respect strict de vos rangs, Mesdames et Messieurs, trois moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022, à savoir primo,
l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise, secondo le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat, tertio le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités au cabinet de l'honorable président du Sénat, où aura également lieu la séance des salutations. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national. Asseoir. Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques
et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales. Mesdames et messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, mesdames et messieurs les mandataires publics, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwara, messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, mesdames et messieurs du secteur privé et de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat, j'ai l'honneur de procéder ce jour à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022, jour qui commémore aussi la Journée internationale de la démocratie. Comme vous le savez, le Parlement est le lieu par excellence de l'expression démocratique. Voilà pourquoi le Sénat ne peut passer sous silence cette Journée internationale de la démocratie. À titre de rappel, la démocratie n'est autre chose que le pouvoir du peuple qui s'exerce dans le strict respect des hautes valeurs républicaines, entre autres le règne du droit, de la justice, de l'équité, du respect des droits et libertés fondamentales de l'être humain. Après les vacances parlementaires qui ne sont pas, comme d'habitude, de tout repos, nous voilà de nouveau soumis à une obligation constitutionnelle inhérente à la fonction de représentation nationale dont nous sommes l'incarnation. Je souhaite donc à tous les honorables sénateurs un bon retour à l'hémicycle. Puisse Dieu Tout-Puissant accompagner chacun de nous dans la quête de l'intérêt général et guider nos réflexions et nos actions tout au long de cette deuxième session ordinaire de l'année 2022. Aussi, voudrais-je, au nom de tous les sénateurs, exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à toutes les personnalités civiles et militaires ici présentes qui nous font l'honneur d'être parmi nous à la cérémonie de ce jour. Cette présence à nos côtés témoigne du grand intérêt que vous attachez aux activités parlementaires qui se déroulent actuellement au Sénat sous notre leadership. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, comme cela vous a été annoncé pendant les vacances parlementaires, la mort a une fois de plus tourné à la porte de notre chacun. Je voudrais aussi saisir cette triste opportunité
pour exprimer au nom du Sénat ma profonde compassion et mes condoléances les plus sincères à sa famille biologique et par extension à toutes les familles éplorées à la suite des massacres perpétrés à l'est du pays, sans oublier ceux ayant perdu les leurs lors des conflits interethniques entre Yaka et Teke dans les provinces du Congo et de Maïlombe. Enfin, nous nous joignons au peuple britannique pour lui présenter au nom du Sénat congolais nos sincères condoléances à l'occasion du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Sur ce, je vous prie donc de vous lever afin d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Que l'Éternel accueille leurs âmes dans son royaume céleste. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre ce jour est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2023. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour matérialiser la vision politique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'élaboration du projet de budget qui doit refléter la transparence et la réalité des estimations des dépenses publiques. J'en profite pour demander au gouvernement de bien vouloir déposer le projet du budget pour l'exercice 2023 dans les délais constitutionnels d'une part, et à cet effet nous avons déjà reçu le courrier du Premier ministre nous annonçant le dépôt aujourd'hui même après nos deux séances à l'Assemblée nationale et au Sénat du projet de loi de finances pour 2023, ce dont nous remercions d'avance le gouvernement. Et d'autre part, j'appelle la Chambre sœur de pouvoir transmettre à temps au Sénat la dite loi de finances pour nous permettre de disposer de suffisamment de temps et de l'adopter. Qu'il me soit permis d'attirer l'attention de tous lors de l'élaboration et l'examen du projet du budget visé sur les impératifs multiples et incontournables que nécessite l'accomplissement des missions régaliennes dévolues légalement au Sénat et qui se résument de la manière suivante. Élaborer des propositions de loi et voter les textes législatifs, projets et propositions de loi, contrôler le gouvernement ainsi que les entreprises et établissements publics, examiner les propositions et projets de loi en commission parlementaire, formuler des recommandations à l'intention du gouvernement après examen et analyse des problèmes spécifiques des provinces, organiser les rencontres avec les assemblées provinciales, participer à la conférence des gouverneurs, assurer la prise en charge médicale du président honoraire du Sénat et leur octroyer régulièrement la rente instituée légalement en leur faveur, assurer le paiement des pensions de retraite des anciens sénateurs et les rentes des veuves et orphelins, organiser les congrès ordinaires et extraordinaires, assurer la diplomatie parlementaire en payant les cotisations dues aux organisations internationales des parlements et leur participation aux rencontres interparlementaires, organiser des sessions de formation pour le renforcement des capacités du personnel politique et des fonctionnaires du Sénat, ainsi de suite. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs,
comme cela a toujours été le cas lors de l'examen de la loi de finances, ou des débats enflammés, passionnés, voire tumultueux, sur le projet de budget présenté par le gouvernement sont évidents aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous souhaitons que ces débats visent l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et l'amélioration du climat des affaires en vue d'attirer des investisseurs et booster la croissance économique. C'est pourquoi privilégier l'intérêt général pour le plus grand bien du peuple congolais. L'exercice 2023 aura l'obligation de prendre en compte le complément et le solde des dépenses relatives à l'organisation des élections prévues en 2023. Le Sénat reste convaincu que la nouvelle version de la loi électorale promulguée améliorera l'indépendance, l'efficacité et la neutralité de la Commission électorale nationale indépendante et permettra d'éviter les irrégularités maintes fois décriées précédemment. J'invite ainsi donc la Commission électorale nationale indépendante à s'inspirer et à tirer les leçons des critiques récurrentes lors de l'organisation des élections antérieures et des observations irrelatives pour parfaire son travail afin d'aboutir aux résultats électoraux qui reflètent la volonté exprimée par le peuple souverain. Désormais, la préélection ne peut plus être une période éprouvante pour le peuple congolais. Honorables sénateurs, honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, bien qu'étant essentiellement budgétaire, comme j'ai eu à l'épingler plus haut, la session qui s'ouvre ce jour se penchera également sur les arriérés de nos travaux législatifs. À titre illustratif, je cite le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes. La proposition de loi organique modifiant la loi organique numéro 06/04 du 10 octobre 2006 telle que modifiée à ce jour portant statut des magistrats. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. La proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. La proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. La proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 089-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. La proposition de loi sur la répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes
et précurseur. La proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Honorables sénateurs, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, revenons présentement à l'actualité qui s'observe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. À l'intérieur du pays, sur le plan sécuritaire, la présente session s'ouvre dans un contexte national toujours marqué par la persistance de la crise sécuritaire dans certaines provinces du pays. À cet effet, je salue la position courageuse de notre président de la République qui, lors de la tripartite de Luanda et tout récemment lors du dernier sommet annuel de la SADC à Kinshasa, n'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nommément le Rwanda comme pays agresseur sous couvert des marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre administration et notre soutien total vis-à-vis de sa politique. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre attachement indéfectible au chef de l'État, garant de la nation, tout en l'encourageant à ne pas desserrer la pression diplomatique, surtout militaire, sur le terrain des opérations. Et j'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. Inspirons-nous à ce sujet de l'interpellation adressée au peuple burkinabé par le capitaine Thomas Sankara, chef de l'État d'alors, à Bobo Dioulasso, je cite, « Nous ne connaîtrons jamais l'échec parce que le jour où l'ennemi aura raison de nous, c'est que nous ne sommes plus en vie. Tant que nous serons en vie, nous connaîtrons le succès. » Fin de citation. C'est ici l'occasion de soutenir nos vaillants militaires, nos policiers et les services de sécurité pour la défense de la patrie, pour les sacrifices qu'ils consentent sur le théâtre des opérations contre le terrorisme et l'occupation illégale d'une partie de notre territoire national. Dans ce même registre, sur la sécurité, je relève, dénonce et condamne avec fermeté le banditisme urbain communément appelé Kuluna que l'on constate dans nos provinces. Cette forme de délinquance qui actuellement gangrène même nos villages à une vitesse exponentielle doit nous interpeller. J'exhorte ainsi le gouvernement à tout mettre en œuvre pour éradiquer cette espèce de criminalité qui met en danger la vie des paisibles citoyens, aussi bien en milieu urbain que ruraux, en étendant l'expérience de Kanyamakassese dans toutes les provinces. Je ne saurais clore ce chapitre sans évoquer le conflit interethnique dans la province de Maïndombe, plus précisément dans les territoires de Kwamout, où les affrontements sanglants ont opposé les peuples Yaka et Teke. Il est inadmissible de voir des Congolais atteindre un tel degré d'atrocité pour des problèmes qui les accablent et qu'ils pouvaient régler eux-mêmes pacifiquement. J'encourage le gouvernement, dont une forte délégation vient de séjourner dans le territoire de Kwamout, d'y consacrer tous les efforts pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Honorables sénateurs, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, sur le plan politique, je voudrais évoquer l'un des projets majeurs visant la reconstruction nationale initié par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant plus précisément le développement de notre pays à la base. Il s'agit du projet développement des 145 territoires de notre pays.
et qui suscite un grand intérêt auprès de nos populations, notamment celles de l'arrière-pays. Pour ce faire, j'exhorte le gouvernement à ne ménager aucun effort pour la réussite totale de cette vision grandiose de l'autorité suprême qui vise l'intégration de toutes les entités territoriales décentralisées de notre grand et beau pays dans le processus de développement intégral. À cet effet, j'insiste sur la nécessité de mettre en place des mécanismes d'encadrement afin que ce projet ne souffre d'aucune entrave, surtout qu'il faudra éviter le détournement des fonds qui seront disponibilisés pour la mise à exécution du dit projet. Ici, j'appelle le gouvernement à accélérer les procédures, car rappelez-vous, chers collègues sénateurs, que nous avions déjà voté des crédits alloués aux 145 territoires et qui risquent de tomber en annulation d'ici le 31 octobre 2022, parce que c'est la date limite pour les engagements. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, sur le plan économique, la situation économique actuelle de notre pays reste marquée par les effets de la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine, dont les conséquences ont mis à mal notre économie, déjà confrontée aux multiples défis et l'ont exposée aux risques caractérisés par le renchérissement des cours du pétrole suite aux tensions géopolitiques et stratégiques, l'impact de la hausse de la facture pétrolière sur le budget de l'État, la hausse des prix des produits essentiels et le coût des transports, le resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales qui pourraient induire les tensions sur le marché financier, les pressions inflationnistes tenant à des chocs d'offres. Face à tous ces risques, il y a lieu notamment d'encourager l'application des recommandations préconisées par la Banque centrale du Congo, qui consiste notamment à stimuler le secteur productif, principalement l'agriculture et l'élevage, pour garantir l'approvisionnement des centres urbains en denrées alimentaires. Coordonner de manière continue les actions au niveau de la politique monétaire dans le cadre du maintien du pacte de stabilité. Poursuivre la politique budgétaire de financement monétaire, notamment la surveillance de l'offre et de la demande de liquidités bancaires, pour éviter la résurgence de l'inflation intérieure d'origine monétaire. Sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie du pays, engager des mesures de lutte contre l'inflation pour amortir l'augmentation du prix du pétrole. En vue d'accroître les ressources de l'État, j'invite le gouvernement à parachever le processus d'appel d'offres de vente de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers pour qu'à terme, avec une exploitation responsable et une bonne gouvernance, afin d'améliorer le niveau de vie de nos populations d'une part, et d'autre part, poursuivre l'aménagement et la construction de nouvelles infrastructures pour désenclaver et relier nos provinces. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, sur le plan social, cette nouvelle session s'ouvre sur fond de remous sociaux et de revendications dans les secteurs de la santé publique, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire, sans oublier la baisse du pouvoir d'achat à la suite de la hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché. La finalité de la politique doit viser le social de la population qu'elle est censée servir. Dès lors, le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour améliorer le vécu quotidien des populations actives, plus particulièrement les agents de l'État. Ainsi, comme vous le constatez,
Ces efforts ne sont pas suffisants au regard des mouvements sociaux que nous constatons ci et là. J'invite donc le gouvernement à être réaliste dans les réajustements salariaux tout en tenant compte du panier de la ménagère. C'est la seule façon, à mon avis, de combattre tous ces remous sociaux et favoriser le retour de la paix sociale en milieu professionnel. C'est pourquoi je salue les actions salutaires menées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, dans le secteur social, relative à la couverture santé universelle. Et particulièrement, j'invite le gouvernement donc à mettre en œuvre la réussite de ce projet. Pour ce qui est de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les revendications portaient notamment sur l'identification de nouvelles unités et de nouvelles écoles. À ce sujet, je salue les travaux tenus en juillet dernier en Bouée-la-Loge entre le gouvernement et les bancs syndicales sur l'évaluation de l'addendum au protocole de Biboua. Cette évaluation a suscité beaucoup d'espoir. Il en est de même dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire où je note la persistance de la grève. Là aussi, j'invite le gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis du personnel enseignant et administratif de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tant en ce qui concerne la rémunération que les autres avantages. S'agissant du panier de la ménagère, il s'observe ce jour à travers le marché la flambée des prix, aussi bien des produits manufacturés que des denrées de grande consommation, avec comme conséquence les énormes difficultés que prouvent les ménages. Là aussi, je recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles pour réduire les souffrances de la population. Sur le plan environnemental, ici est de noter que les forêts de la République démocratique du Congo et ses tourbières sont essentielles à la transition énergétique mondiale. La République démocratique du Congo est donc devenue la solution aux préoccupations climatiques. Je salue les actions adéquates menées par le gouvernement, notamment la signature du contrat de partenariat du programme de gestion durable des forêts entre la République démocratique du Congo et le CAFI, qui est donc l'initiative des forêts de l'Afrique centrale pour l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appui à l'aménagement du territoire, à la gestion des forêts et à la promotion des modes de gestion durable afin de lutter contre le changement climatique. J'invite donc le gouvernement à sensibiliser la population sur la culture de l'arbre. Honorable sénateur, mes chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, sur le plan international, il vous souviendra qu'il s'était tenu à Kinshasa, ici au Palais du Peuple, du 9 au 18 août 2022, le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le thème principal de ces assises était promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Au cours de ces assises a eu lieu la passation de pouvoir entre le président sortant, Son Excellence le docteur Lazarus Chikwera, président du Malawi, et Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui préside à la destinée de cette organisation pour un mandat d'un an. Le président de la République s'est engagé durant son mandat à la tête de la SADC à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui ont un lien direct
avec les principales stratégies de la SAMEC. Ces stratégies visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région, travail qui doit être fait avec la collaboration de tous les États membres. Pour ce faire, le Sénat rassure son Excellence Monsieur le Président de la République son soutien et son accompagnement total pour la réussite de son mandat. J'encourage également les sénateurs d'emboîter le pas aux collègues de Kinshasa qui ont travaillé sur un meilleur fonctionnement de la ville de Kinshasa afin de répondre aux besoins de nos populations. Aux questions de décentralisation, de renforcement des capacités des autorités locales et provinciales, du développement des villes, des communes et localités, des plans d'aménagement adaptés à chaque espace. Vos propositions, chers collègues sénateurs, doivent répondre à la problématique de l'administration publique locale, de la mobilisation des ressources financières propres aux ETD, ainsi qu'une juste mise à disposition des ressources financières par le gouvernement central, de la mobilité et des échanges entre entités afin de resserrer les liens internes. Honorables sénateurs et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, à ce niveau de mon allocution, j'exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre en compte tous les aspects socio-économiques que j'ai évoqués supra en vue d'améliorer les conditions de vie de notre peuple. Pour clore mon propos, je vous rappelle, chers collègues, l'obligation qui incombe à chacun de nous, une fois de retour des vacances parlementaires, de dresser et de déposer son rapport de vacances dans les 15 jours de l'ouverture de la session conformément à l'article 233, alinéa 4 de notre règlement intérieur. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2022 et je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Congo démocratique
tumbabie duzali kusale ma kuna na risi loko la pena ekran yango sala ki ete ikamboli na liko kabongo ko beta mingi penza bikolo binso bia molongo pe asengi na bakeli mebeko bansu bako pesa la polo ya bango na simamize mikolo zom na itano po ete batalisa la polo sima ya bopemi ya bango. Geneviève Kumba, Malobo Mboka. Mpangi bitike awa na pali di peple kisika tuadisi ya sena mikatuka na kutendula nyonso uina andi vwandaka na yao samu na kuzibuka ya lukutaka nuyayi ya ngonde ya hivwa ya iwe mikatuka na kuzibula seleka amitubila mingi ba mambi na wakisadila na sesyon ya iwe mikatuka na kufutuka mpe anumilumba lukula yake sesyon ina ya baketa la mambo ya ikuku ya mbongo ina inti abituke sadila anumilumba na Assemblée Nationale samu abako kaku nata yao na sena samu bato matala yao na mkunusi ya kufuwa na mpe na kati fana andi metadila anumitubila wa mambo mingi ina metadila kimvuama ina metadila kulunguka ya bana kalasi ina metadila basadi ya leta ina metadila luzingu ya nkangu mingi mingi ina nmilomba na luyalu luyalu sala nyoso samu ya luzingu ya nkangu ya vwanda na imtini nusu ya kufona pia mbote mpe ba ntumwa ya nkangu to ba senatele mekatuka na kupemisa nzutu na bilumbu kumi tanu ba mepesa bau samu bakuza banata la polo babao na parlema mevutula mdinga na panya bitu. Merci à Feza Kalongola, Rachel Keta, Mami Mambouini et Geneviève Kumba pour toutes ces informations en langue nationale. La session de septembre 2022 est donc reprise. Le président du Sénat a prononcé les discours, seul le point à l'ordre du jour. Il a rappelé l'essentiel des activités qui seront menées au cours de cette session, les budgets bien entendu, mais aussi il y a les arriérés législatifs qui seront abordés. Il a épinglé les questions de sécurité, le banditisme qui bat son plein dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, tout ça. Ce sont des sujets qui vont retenir l'attention des sénateurs. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la RTNC, la télévision nationale.